Bienvenue à Mantette, si l'on respecte la prononciation catalane. Un bijou caché au pied majestueux du massif du Canigou, dans la région pittoresque des Pyrénées-Orientales. Cette région éblouissante, située à une altitude de 1450 mètres, est un trésor naturel préservé, entouré de montagnes imposantes et de paysages à couper le souffle. Mais derrière sa beauté actuelle se cache une histoire fascinante de résilience et de renouveau. L'histoire de Mantette est profondément marquée par son village, qui est resté longtemps abandonné en raison des conditions géographiques et climatiques difficiles. Au fil des siècles, cette région reculée a attiré des communautés humaines cherchant à vivre en harmonie avec la nature sauvage des Pyrénées. Les habitants de Mantette, des bergers courageux et des cultivateurs intrépides, ont bâti leur maison en pierre dans ce paysage exigeant. Cependant, au cours du XIXe siècle, de nombreuses familles ont été contraintes de quitter Mantette à la recherche de meilleures opportunités ailleurs, laissant le village presque abandonné pendant de nombreuses décennies. Il semblait que Mantette était destiné à rester silencieux, une relique d'un passé oublié. Mais au fil des ans, une résurgence s'est produite. Des amoureux de la nature et des passionnés d'histoire ont découvert les charmes cachés de Mantette, reconnaissant la beauté brute de ses environs et l'authenticité de son village abandonné. Des projets de restauration ont vu le jour et les bâtiments en ruine ont été soigneusement rénovés pour préserver le patrimoine de Mantette. Aujourd'hui, Mantette est un havre de paix pour les randonneurs, les artistes et les voyageurs en quête de tranquillité. Les sentiers de randonnée vous mèneront à travers des forêts verdoyantes, des rivières cristallines et des panoramas à couper le souffle sur le Canigou. Les visiteurs peuvent également explorer les ruelles étroites de Mantette, où les maisons en pierre restaurées vous plongent dans l'atmosphère du passé. La région de Mantette, longtemps oubliée, est désormais un symbole de persévérance et de réconciliation avec la nature. Elle incarne l'histoire en constante évolution des Pyrénées orientales, où le passé et le présent se rejoignent pour créer une expérience unique et mémorable pour tous ceux qui ont le privilège de la découvrir.